1004 pages retraçant le parcours d'hommes et de femmes qui, au travers de leurs activités, ont ajouté leur pierre à l'édifice de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La 5e édition du Wouzou, référentiel annuel des talents ivoiriens, tiré d'une quinzaine de secteurs d'activité, a été révélée au public. Un sentiment de fierté, de pouvoir être retenu parmi cette liste de d'éminentes personnalités qui ont des profils assez variés. Je suis également très heureux de pouvoir partager une expérience et un parcours professionnel, puisque le partage permettrait à tout un chacun de pouvoir suivre un peu tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons eu comme profil académique et toutes les expériences dans lesquelles nous exerçons aujourd'hui. Quel sentiment de fierté de savoir que le travail qu'on fait est reconnu par des personnes, par des organisations, des institutions, et aussi une pression, justement, comme je le disais tantôt, pour continuer à mieux faire et pouvoir demeurer dans ce classement-là. Bien plus qu'un livre, le Wouzou se veut être un véritable événement avec pour ambition d'être inspirant pour les plus jeunes. Le conseil que je vais donner à cette jeunesse-là, c'est de se procurer ce document, de lire le parcours de ces personnalités, et cette jeunesse verra que rien n'a été spontané, tous ces parcours se sont construits dans le travail, dans l'abnégation, dans la persévérance. Parce que l'objectif, c'est quoi ? Le Wouzou, c'est de servir, c'est de proposer des profils de référence, des rôles modèles, donc des exemples à nos jeunesses, et puis promouvoir nos meilleurs talents à l'international. De l'anglais Wouzou, ou qui est qui, l'adaptation ivoirienne de ce dictionnaire biographique d'origine anglaise regroupe au total 136 personnes.